C'est un livre sur le métier. Puis on questionne des personnes pour savoir s'ils ont besoin de lire et écrire dans leur travail. Le projet s'est déroulé en plusieurs étapes. D'abord, on a fait une carte d'exploration pour savoir ce que les enfants connaissaient sur le sujet. Par la suite, les enfants ont fait une enquête chez eux pour avoir le maximum de noms de métiers possibles. Producteur laitier, conductrice d'autobus, coiffeuse, hygiéniste dentaire, joueur de hockey, camionneur. Ces noms de métiers, on les a classés en deux catégories. Celles où on devait savoir lire et écrire et celles où on n'avait pas besoin de savoir lire et écrire selon eux. Ensuite, plusieurs étapes se sont passées un peu en même temps. On a invité des personnes à venir, on les a questionnées. On les a filmées, c'est juste pour... parce que des fois, on ne pouvait pas tout écrire dans le petit carnet de questions. On va faire un livre de métiers, donc on questionne les gens pour savoir si on a besoin de lire ou écrire. Ça, c'est un logiciel. Ce logiciel-là, j'ai toutes mes rushs dedans, mon état. Ils sont écrits là-dedans. Moi, tous les matins, je l'amène avec moi. C'est pour... Les élèves doivent passer des niveaux de cavalier, fait que dans le manuel, c'est écrit toute la théorie, comment le procès, comment ça marche. Ben, on signe des contrats avec les propriétaires, des fois oui, pour le dressage du cheval. On a revisionné les vidéos pour que les enfants puissent transcrire leurs réponses sur des feuilles sous forme de texte. On va taper à l'ordinateur, puis après, on fait un livre avec. On a aussi, pendant cette période-là, lu des livres sur les métiers dans le but d'en savoir plus. Moi, j'ai appris que dans le métier de savoir lire, au pompier, il fallait lire des gros livres. Quand j'ai vu l'oncle à Laurence, il était producteur laitier. Il m'avait appris des nouveautés, comme je savais pas qu'il y avait besoin d'un ordi pour lire le nom de ses vaches. J'ai appris plein de choses sur les métiers. Moi, j'ai appris que la police, son instrument qui sert le plus, c'est le crayon. À chaque fois qu'il arrête quelqu'un ou qu'il fait quelque chose, il faut qu'il l'écrit après. J'ai appris que la serveuse utilisait son crayon pour écrire ses commandes. Avec le projet, on a appris qu'il faut savoir lire et écrire pour tous les métiers. Disons aux enfants à quel point c'est important de savoir lire et écrire pour plus tard. Mes élèves, à moi maintenant, le savent d'une façon beaucoup plus concrète car ils ont pu questionner les personnes directement. La plupart ont compris à quel point c'est important et chouette que cela les aide à maintenir leurs efforts tout au long de leur scolarité.